La. Donc là, on a un visage match. Attends, parce que là, je vais pas me faire mal. La salle est trop haute. J'ai pas la vitesse qu'il faut. Ah, tu parles. C'est pas ce que je voulais faire en fait comme balade, mais bon, ça va rejoindre les archives du POC. Et un peu plus loin, là, dans l'autre sens, t'as la prison de l'usage. Je te la filmerai pas. Et là, t'as une espèce de passage souterrain, là. Tu sais que pendant des années, mec, j'ai fait des cauchemars. Là-dedans. Là-dedans, ouais. Ouais, je faisais des rêves, Space. Donc attends, parce que tu vois, je voudrais pas... Je veux pas... Donc attends, on va faire un truc. Bon, il faut que je me... Il faut que je m'organise. Donc il y a la croix du circuit jaune, c'est pas là. Donc là, tu connais, c'était le tour du Limousin. Qui t'est passé par là. Il y a une rue là-bas. Sans s'interdit. Ah non, là, j'ai failli rentrer dedans. Et le pont, il passe, tu vois. Le tunnel, il passe juste à côté du... De l'ouvrage en pierre. Vas-y, passe. Ah, j'ai peur. Tiens, c'est piste. Viens, voiture. Ah, là, il va faire froid, par contre. Là, il va faire froid. Comment ça résonne? Et comment c'est beau? Je vois ce que c'était. C'est les enfants. Putain, je voyais un truc. Je vois un truc. Waouh, comment c'est haut? Ah. Ah, ils sont tout petits. C'est impressionnant. Et là, tu vois, c'est là où le train va pas repasser. À gauche. Et là, t'avais le pont autoroutier en bas. Autoroutier. Le pont routier. Ouais, ça m'a crié parce que je voyais des deux taches blanches qui bougeaient. Je sais quoi. Je crois que c'était mon œil qui déconnait. Non, en fait, il déconnait pas. Donc regarde où il passait le train. Oh putain, ça résonne. Donc il passait par là. Donc je te raconte pas les vapeurs. Et là, t'as vu, il y a des conduites de flotte. Ouais, c'est des conduites d'eau. Oh, on va le faire à pied, non? Bon, je sais pas. Non, on va le faire à vélo. Et après, t'as des niches. Donc tu vois, il y avait même des trucs pour mettre l'électricité. Tu vois, le jus passait là. Et là, c'est des niches. Bon, t'as plein de canettes de bière. C'est un rendez-vous de ouais, t'as des... Je sais pas pourquoi les gens, ils viennent boire ici, quoi. Ça chie, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc, voilà. Le mec, il venait... Il passait par là avec le train. Le POC Paris-Orléans-Corrèze. Le tchou-tchou. Tu vois, dans le sens, ce que ça donne? J'ai pas vu. Là, ça fait moins beau, là. Ah, ça fait moins joli. Ça fait moins beau. Ouais, c'est pas trop... Toujours la tortue.
Ah, il y a une sculpture, c'est pas mal. C'est assez joli, mais bon, à y vivre. Tu sais, ça reste la petite commune, quoi. C'est... C'est un truc original qu'il y a, tu vois. C'est elle. C'est la tortue, mais c'est une vieille, elle a un bâton. Bah ouais, regarde, elle a un bâton. Ça va être une marcheuse. Ah ouais, ils ont mis le sac à dos. Ouais, c'est une randonneuse. Donc voilà le vierge. C'est bien dans les côtes quand même, hein. Ouais, puis c'est... Donc on va faire ce petit circuit de 5 km. Bon, j'ai raté alors. J'ai raté quelques... Quoi ? Il est passé près, hein, l'oiseau. Donc il y a un chemin. Interdit à tout véhicule moteur. Est-ce que le vélo électrique c'est considéré comme un véhicule à moteur? Ouais, c'est, je verrais bien si je me fais engueuler. Je suis pas un moteur électrique donc je vois pas pourquoi je me prends la tête. Donc là il y a deux chemins, tranquille d'arriver parce que non, c'est mort. 15h, 16 km, 44 km, 16h et 5 km. Jaune, tu te rappelleras. Parcours de Simone de Beauvoir. Putain, alors attention, il y en a un paquet de. Putain, c'est tout gelé, rouge et blanc, il y a une grande randonnée. Alors Simone de Beauvoir est une philosophe, essayiste, romancière, importante théoricienne du féminisme. Elle s'implique fortement dans le mouvement de la libération des femmes dans les années 70. Bon, elle est née le 9 janvier 1908 à Paris, issue d'une famille bourgeoise. Alors, donc durant sa jeunesse, Simone de Beauvoir passe ses vacances d'été en Corrèze, en Truzère chez Saint-Hibard, dans le parc de Mérignac, qui a été créé par son grand-père. Voilà. Donc voilà, tu connais un peu l'historique de Simone de Beauvoir. Si ça va, il y a des traces de pneus donc ils vont pas trop gueuler. Bah des fois tu tombes sur la personne qui gueule quoi. Donc ça c'est la route du POC alors. C'est la route du train. Non parce qu'il y a un chien qui est tout seul là. Donc ça va, il a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant. Donc après faut faire attention parce que j'ai pas envie de faire les 44 km. Bonjour. Ouais, je suis sur la bonne route. Ils ont tous des chiens ici. C'est une sorte de lévrier, on dirait. Mais moi, dis donc, c'est pas ce que je veux faire. Parce que... Donc, dans la route en bas, c'est là. C'est l'ancienne voie du train. Du POC. On va vivre quand tout. Bonjour. Non, non, c'est bon. Ça passe, ça passe. Là, par contre, tu vois, je sais pas trop où je vais. Là. Je sais pas trop où je ressors. Donc ouais, c'est toujours la route du train, du POC. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait un ouvrage. Ah, fort sympathique. Donc tu vois, c'est bien basé sur Simone de Beauvoir quand même, la balade. Ah, c'est un petit ouvrage. Pas mal. Moi, je connais vraiment pas. Bah, en plus, c'est que des grands circuits, il y a deux barres. Donc c'est des super circuits. Intéressant à faire, je pense, l'été. Qu'est-ce qu'il y a comme touriste? C'est que des vieux. Oh putain. À mon avis. Non, c'est bon, ça passe. Merci, bonne journée. Donc tu vois ce qu'il y a de bien par rapport à... Eux, ils ont tout compris quand même. Parce que tu vois, c'est quand même... C'est...
C'est empruntable, il n'y a pas de cailloux. Comparé à Vercule où j'habite, là, c'est plus à côté de chez moi, il n'y a que des cailloux. Donc, circuit jaune, je suis toujours sur la bonne piste. Donc voilà par où il passait l'ancien train de Corrèze.